Seigneur, je vais à Sainte-Philippe. Ma mère est morte. C'est toujours tout droit, 65 kilomètres. S'il vous plaît. Et quoi encore? Allez, dégage. Attends un peu. Viens ici, approche-toi. Attendez, il a bien la tronche de l'emploi. D'accord, je vais te faire monter dans la diligence. Et je vais voir la tête de ces gens-là quand ils te verront entrer là-dedans. Monte.
Mais enfin, c'est... Tais-toi, je t'en prie. Non, pas celle-là, l'autre. Tire. Tire sur la poignée. C'est ça, très bien, bravo. Et maintenant, assieds-toi là et sois sage. Vous avez vu ça? Mais il comprend ce qu'on lui dit, ce balourd. Avec un peu de temps, on arriverait peut-être à le faire parler. Eh bien, moi, je reconnais que même les péons... un peu de moutarde. Merci. Que même les péons ont des droits, en tout cas certains droits. Après tout, ils l'ont gagné, leur révolution. Du moins, en partie. Ce sont des bêtes. Rien que des bêtes. Des bêtes et rien d'autre. Pardon. Même une bête peut être apprivoisée, domestiquée. Moi, je dirais que ces êtres sont des brutes, de pauvres brutes. Oui, des brutes, c'est le mot exact. Eh oui, chère madame, hélas. Car quoique j'aurais pu ne désigner ainsi un enfant de Dieu, vous ne pouvez imaginer les horreurs que l'on entend dans un confessionnal, c'est à vous faire dresser. Je l'imagine, mon père, je l'imagine. La promiscuité de leur vie. Les hommes, les femmes, entassés dans la même pièce, grouillant comme des rats au fond d'un égout. Et dans la moiteur de la nuit, on voit se libérer les instincts les plus bas. Alors, les mâles se jettent aveuglément sur ce qui leur tombe sous la main. La mère, la sœur, la fille, ou encore la chèvre. Chaque pays souffre une plaie. Chez nous, en Amérique, nous avons nos nègres. Vous voulez dire vos bêtes, parce que les nègres aussi sont des bêtes et rien d'autre. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des arriérés mentaux. Et toi? Dis-moi, est-ce que tu sais qui est ton père? Est-ce que tu sais combien d'enfants tu as? Tu ne le sais pas, hein? Et ta mère, combien d'enfants elle a eu en dehors de toi, tu sais? Et qui les lui a fait? Voilà, c'est pour ces pouilleux qu'on veut réaliser la réforme agraire. Pour cette canaille dégénérée. Et cet imbécile de Madero qui voulait remettre tous les pouvoirs, distribuer toutes nos terres, à des rebuts de son espèce. Nous ne sommes que des pions sur le grand échiquier de Dieu. C'est pour cela que la divine providence a rappelé à lui cet homme inconscient qu'était Madero. Monseigneur, appelons un chat un chat. C'est ce que vous appelez la providence. Moi, je l'appelle le général Huerta. C'est lui qui a remis les pions à leur vraie place. Qui est justement la place naturelle des bêtes, n'est-ce pas? Car à y bien réfléchir, une bête. C'est une bête et rien d'autre. Je l'imagine sans peine, monseigneur. Je les imagine dans une pièce entassée pêle-mêle, se jetant aveuglément. Quoi ? Distribuer toutes nos terres à cette dégénérée. Ce sont des bêtes. Chaque pays souffre une plaie. Chez nous, en Amérique, nos bêtes s'appellent. C'est pour cela que la divine providence a rappelé à lui cet homme inconscient et Madero. Je dirais que ces êtres sont de pauvres brutes. Des attardés. Ce sont des brutes de pauvres. Venez par ici, on a besoin d'un coup de main pour nous aider à monter la côte. Anda! Regarde-moi cet tas de fainéants, tu crois qu'il lèverait le petit doigt pour nous aider? Anda!
Envoie ça dehors, ça va salir le tapis. Et maintenant, écoutez-moi bien, vous allez remettre à mes enfants tout ce que vous avez, sans faire d'histoire, c'est compris? Allons-y, papa, on les tue tous maintenant! Combien de fois faudra que je te répète, Chulo, qu'on tire seulement quand papa appuie sur la gâchette? Automateur Riva, y mírale bien. Allez, debout! A ver, cuate, pásame tus cositas. Vous voulez connaître ma famille? C'est tous mes enfants. Aucun de la même mère, mais tous de moi. Et toi, à genoux! Papa! Ça, c'est mon père. Enfin, je crois. Comment vas-tu? Allez, rentre là-dedans avant que Chulo les massacre tous. Oui. Quant à ma mère, elle t'aurait craché à la gueule. Putain, quelle était! Dis-moi une chose. Est-ce que tu sais faire un enfant? Est-ce que tu sais comment on fait un enfant? Non! Ben, je vais te montrer comment. Señora! Ne me touchez pas. Mal. Une Vierge Marie, je m'évanouis. Non, non, non. Si tu t'évanouis maintenant, tu perds le meilleur. J'ai bien ça.
Et vous avez pris toute la camelote? Pour le père et cher Sarchien, je suis citoyen des États-Unis d'Amérique. C'est possible, mais à poil, t'es un connard comme les autres. Donne-moi la main. Allez. Quelle est ta machine? Merci. Merci pour tout. Donne-moi du feu.
toi, connard. Oh, il a fait un grand trou au plafond. Sur la gâchette, tu me descends. Et si tu me descends, je tombe. Et tu vois, si je tombe, les cartes de Spain sont plus valables. De ce foutu pays sera volatilisé. Et toi avec. Foutu ta trottinette en l'air, t'as fait un trou, un beau carrosse, toi et moi, on les quitte. On les quitte? Oui. Non, on n'est pas quitte. Répare ma moto et on sera peut-être quitte. Je vais attendre dans le carrosse. Salaud. Hé, c'est maintenant qu'on le tue, papa? Non, il faut qu'on lui répare son truc d'abord. Chut. C'est du whisky. C'est meilleur que l'eau bénite, hein? Eh ben, où est-ce que tu vas avec ta brouette? Je vais. Et toi, où tu vas? À la mine d'argent. À Lucarinena, hein? Je connais très bien. Je connais le patron aussi. Ce gros tas de lard, cette face d'œuf pourri, ce fils de pute en chaleur, ce fumier à chaque bac, cet Allemand, cet exploiteur du pauvre, y compris sa bonne. Parce qu'il faut dire qu'il avait une bonne aux fesses rondes comme des citrouilles et plus dur qu'un tambour. Et bien, figure-toi que ce porc, quand elle était enceinte de moi, il l'a planqué dehors. Tu vas fermer ta gueule! Allez, va réparer ma moto, je t'ai assez vu. Ok. Ok. Comme tu voudras. Grand sorcier. Pas les pattes, pas les pattes, tu dis. Bravo, bravo.
bravo, grand connard. Mais il n'y a pas un sou là-dedans, papa. Oh, je me demande quelle foutue idée j'ai eu de t'appeler Napoléon. Tu comprends jamais rien à rien. Ça, c'est une banque. Mais ça verde. Oui, papa, mais ça verde, mais ça verde. Mettez-vous bien ça dans la tête. Si on peut convaincre le grand sorcier de s'associer avec nous, on devient riche. Qui a besoin de lui? La dynamite, ça suffit? Non, 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 il faut un gars qui s'y connaisse dans ce genre de boulot. Tout ce qu'il nous faut, c'est des allumettes et deux couilles, et je t'assure que j'ai ça dans mon pantalon. Ah oui? Oui. Vous voyez cet arbre? Compris pourquoi on a besoin du grand connard? Hein? Quoi? Quelle espèce de boulot tu fais pour l'Allemand? Hé, mais je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais pour ce port? Je cherche des filons d'argent. L'argent? Je dois être idiot, mais non, je te comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller perdre ton temps et gaspiller ton obélite à chercher de l'argent? Pour moi, t'es cinglé. T'as une meilleure idée? Oh oui! Pour moi, l'or est plus avantageux que l'argent. Bah, il n'y a pas une once d'or dans cette région. Ah ah! Oh, si, on a. Un Mesa Verde. Mesa Verde. C'est une ville. Bah, bien sûr que c'est une ville. Pourquoi? Les banques sont à la campagne, chez toi? Ah. C'est une banque. C'est pas une banque. C'est la banque. La plus grande, la plus belle, la plus fantastique, plus désirable qu'une pucelle, plus excitante qu'une putain de Veracruz. Et quand tu es devant cette banque, tu vois déjà le portail tout en or sculpté, étincelant comme celui du paradis. Et puis quand tu entres dedans, tu vois que tout est en or, les tables, les chaises, les crachoirs sont en or, les comptoirs, les guichets, les poignées sont en or. Et tu vois l'argent, une marée d'argent qui jaillit de tous les coffres. J'avais 8 ans quand je l'ai vu pour la première fois. C'était la veille du jour où mon connard de père a essayé de la nettoyer. Il s'est fait piquer comme un apprenti seulement. Moi, ils m'auront pas. Hein, papa? Bien sûr.
Et maintenant, grand sorcier, écoute-moi bien. Je vais te faire une proposition. Écoute, si tu viens avec moi et si on travaille ensemble, je te promets qu'on deviendra très riche. Au fait, c'est quoi ton putain de nom? John. Quoi? John. Comment est-ce que tu t'appelles? John. Oh, oh, c'est fantastique! C'est incroyable! Mon nom à moi, c'est Juan, et le tien, c'est John. Juan et John. Mais alors? Eh bien, comment ça, et alors? Mais alors, réfléchis un instant. On dirait un signe du... Oh, du destin. D'argent ou Béli, t'occupe pas de ça, prends un part qui te plaît, moi je me fous de l'argent. Pour moi, c'est rien, l'argent, ça roule. Je veux seulement m'associer avec toi. Voilà ce que j'ai pensé dans ma tête. On travaille la main dans la main, comme tes frères. Toi, tu fais des trous avec tes gouttelettes, et après, c'est moi pour enfiler la marchandise. T'as pas à te casser la tête. Nous sommes faits l'un pour l'autre, allez. Tu crois pas? Après tout, toi et moi, on est des bandits, non? Alors, tu sais lire? Oh, tu crois que si je savais lire, j'aurais été avec toi? Non, enfin, quand on voit la photo d'un type avec des chiffres en dessous dans le journal, faudrait être con pour pas comprendre. Hé, hey. Dans quel merdier tu t'es fourré? Il n'y a pas qu'au Mexique. En Irlande aussi, il y a des révolutions. Révolutions? Oh, les révolutions, c'est comme des maladies. Comme les morpions. La dernière était un vrai bordel. Même les plus forts se sont fait baiser. Même Pancho Villa, qui est un grand bandit, tu le connais. Le plus grand bandit qui existe au monde. Il avait une paire de couilles, comme ça, comme des melons. Il a voulu la faire, la révolution. Eh bien, il l'a faite. Il l'a commencé comme simple bandit. Comment qu'il l'a fini? Rien du tout. Général. Eh bien, pour moi, il a fini dans la merde. Tu serais pas venu ici pour la révolution? Non. Non, une seule me suffit. Hé! Arrête-toi! Salon! Cocu! Dégueulasse! Salopard! Si tu te putain! Thank you.
Lève-toi, connard. C'est de quel côté, Luca et Nena? Va te faire enculer, va te faire sauter, toi et tes pétards. Le Mexique est grand, mais pour toi, je te promets qu'il sera encore plus grand. Tu t'en sortiras jamais, 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 jamais. Qu'est-ce qui te prend? Tu parles tout seul à présent, comme les fous? Je te l'avais bien dit. C'est grand, le Mexique. Oh. Putain de ça. Et qui est là-dedans? Tu veux dire, qui était là-dedans? Un patron, un Schoenbach, et puis il y avait trois soldats. Il y avait même un capitaine. Ils sont morts tous les cinq. Toi, tais-toi et va avec tes frères ramasser les affaires de mon ami. Alors voilà, c'est une longue histoire. Quand je suis allé trouver un Schoenbach, je lui ai dit comme ça que l'Irlandais le cherchait. C'est vrai, il a créé une blague. Alors moi, je lui ai dit que c'était dommage parce que tu avais découvert un filon d'argent. Oh, j'avais pas fini de parler qu'il sautait sur son cheval.
Mais le capitaine, ce fils de pute. Tu sais, je crois que ces deux crapules traficotent ensemble. Alors voilà le capitaine qui me dit, mais c'est moi que je veux que l'Irlandais vienne voir. Alors moi, je lui ai répondu au capitaine, mais comment voulez-vous qu'un chrétien puisse monter à cheval avec une main emportée par une cartouche de dynamite et qui est en train de saigner à mort? Oh, j'avais à peine dit ça qu'ils ont enfourché leur canasson comme s'ils avaient le feu au cul. Non, mais tu vois que tout est arrangé puisqu'ils sont tous dans l'autre monde. Alors maintenant que t'as plus de contrat, t'es tranquille. T'es libre, hein? Ah, naturellement, ça t'aura des difficultés avec l'armée mexicaine un jour, parce que tu comprends que ça leur retourne les entrailles à chaque fois qu'on leur démolit un capitaine à la dynamite. Mais sois tranquille, tu peux compter sur moi, jamais ton ami Juan ne t'abandonnera, jamais. Tu trouveras toujours ma main tendue et tu pourras toujours la prendre. Non, 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 merci, j'ai pas besoin de ta sale main, mais ça fait drôlement mal de l'avoir dans le cul. Enfoiré de voleur de poulet. Dis, qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, non. Mais j'ai pensé qu'on pourrait peut-être partir tous les deux à Mesa Verde. Hein? La banque. Ça fait trois jours que tu me parles de la banque. Y a rien d'autre à Mesa Verde? Non, il y a une auberge sur la place de l'hôtel de ville. Là, tu peux entrer, te faire servir à manger et en regardant en face, qu'est-ce que tu vois? La banque. Merde, comment t'as deviné? Crois-moi, grand sorcier, Mesa Verde, c'est que le commencement. On sera une équipe. Juan et John, les grands spécialistes du nettoyage des banques, hein? Encore mieux, Johnny et Johnny, ça ne fait plus américain. Parce que plus tard, on ira en Amérique, là où les banques poussent comme des champignons. Tu sais, la Californie, Colorado, Kansas City, Texas, l'Autriche. Réfléchis, essayez un peu d'imaginer l'avenir qu'on a devant nous. Alors, en ce moment, je pense au train qu'on a derrière nous. Oh, sortez-vous de là! Thank you.
connais, toi? Je connais ta tête. Où est-ce que je t'ai vu? Oh! Espèce de salopard. Je le paye tout de suite. ¿Algo que pedir? ¿Y tú? ¡Listos!
¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! En su lugar, ¡descanso! Et toi là-haut, t'es sûr que c'est Sam et sa verde? Tes faillots, tu les veux avec ou sans le filet? Tu peux te les garder, tes faillots, je t'emmerde. Oh. Assieds-toi et mange. Écoute-moi, Francky, putasse, si jamais tu me joues encore un tour pareil, je te jure que tu prendras un peu d'eau dans le ciboire. Ça alors, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Un train est passé, j'ai sauté dedans pour venir plus vite à notre rendez-vous dans ta ville de rêve. C'est ma ville de rêve, c'est un grand train de merde. Il y a des soldats dans tous les coins, il y a encore plus de soldats que de mouches. C'est justement ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là où il y a révolution, il y a confusion. Un mec qui sait exactement ce qu'il veut. A tout à gagner dans l'affaire. Je comprends rien. Alors, c'est lui? Oui, c'est lui. Qui ça, lui? Tu as confiance en moi? Non. Mais tu veux toujours entrer dans cette baraque? Oui. Alors laisse-moi faire, je te promets de t'y faire entrer. Allez, viens. Thank you.
pas comme ça. Non, calme-toi. C'est fini. Si tu avais attendu plus longtemps pour te faire vider cet abcès, je crois que c'est ta veuve qui aurait payé l'addition. Allez. Mallory. Il y a à peine quelques jours que vous êtes parmi nous à Mesa Verde. Déjà, vous défrayez la chronique locale. Dynamiteur irlandais recherché pour homicide. J'ai l'impression que vous vous êtes déjà fait des amis ici. Il est vrai que vous êtes fourré dans un drôle de guépier. Ça passe encore pour le capitaine, mais à Schoenbach. Jusqu'ici, personne n'avait osé s'attaquer aux capitalistes étrangers. Même pas Pancherville. Et il semble que sa gracieuse majesté britannique aurait extrêmement de plaisir à vous mettre la main dessus. Pour nous, cependant, vous êtes une très précieuse recrue. Même s'il vous arrive de chercher trop souvent l'inspiration dans l'alcool. Qui dit que j'ai besoin d'inspiration? Votre foi est éloquent. Et lui là-bas, qui sait? Oui, on peut avoir confiance. Seulement, quand il opère, il incise plus profond que moi. Ah, le professeur veut dire qu'il nous est déjà arrivé de faire une petite affaire ensemble. Hein, maintenant, occupons-nous de notre affaire. J'ai de bonnes nouvelles. Dans très peu de temps, Villa et Zapata lanceront une offensive simultanée au nord et au sud. Nous, ici, comme nos amis dans les autres régions, effectuerons des opérations de harcèlement. La fin de Huerta n'est plus qu'une question de semaine. Mais la fin de notre ami Miguel n'est qu'une question d'heure s'il n'arrête pas de fumer. Oui, oh, c'est facile à dire. Bien. Nous attaquerons quatre points stratégiques simultanément. Antonio, avec tes hommes, tu assiégeras la mairie et la vieille prison. Vous pourrez vous diviser en deux groupes, le deuxième sous le commandement de José, d'accord? Jesus, tu seras à la gare et autour des entrepôts, comme nous l'avons décidé. Hein? Non. Vous devrez arriver à vos postes avec un peu d'avance, par petits groupes, sans vous faire remarquer. Comme de simples voyageurs ou des employés de chemin de fer. Toi, Manolo, accompagné de Juanito, vous attaquez à la caserne, avec le gros de la troupe, d'accord? C'est là que se trouve la plus grande concentration de leurs forces. Mais la prise de la caserne est la clé de la réussite de notre plan. Pour cela, vous devez tenir toutes les issues du bâtiment et leur donner l'impression d'être numériquement supérieur. Ici, chacun de vous doit être prêt au sacrifice suprême. Enfin, quatrième et dernière mission. Ortega, le bureau de poste. Quand ils seront tous débordés sur les quatre fronts, commencera l'opération dirigée contre notre véritable objectif. Mallory, vous êtes toujours d'accord? Bien. Combien d'hommes voulez-vous? Un seul me suffira. Un seul? Oui. Lui. Tout le monde m'appelle lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, lui? Qui c'est, lui? Qu'est-ce que vous voulez de lui? Pourquoi lui et pourquoi fait? Pour attaquer la banque. S'il s'agit d'attaquer la banque, du moment que vous vous occupez du reste, on s'occupera de la banque. Bon, eh bien, on marche comme ça. Je n'ai rien à ajouter. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est de réussir. Et moi aussi. Et lui aussi. Bon. On se retrouvera ce soir pour mettre certains détails au point. Il faut que je vous quitte. J'ai laissé une femme en couche et je ne crois pas qu'elle pourra attendre la fin de la révolution. Tierra y libertad. Tierra y libertad. Libertad. Partez maintenant, sortez un par un et qu'on ne vous voit pas. À propos de vue, comment va ta cataracte? Oh, pas très fort, avec l'œil droit avec des ongles. Alors? Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ah, cette fois-ci, j'ai très bien compris. Tierra y libertad. Libertad. Chant, chant, chant.
Très bien. Bravo, Chulo. Secondes. Des alcools.
vas comme ça, nom de Dieu? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui tombe pas rond. Hein. Ah. Ça, c'est pas une banque, ça. Il n'y a pas d'or là-dedans, j'ai trouvé qu'une bande de crève la faim. Ah, toute la réserve d'or de la banque a été transférée à Mexico il y a un mois environ. Et ta banque, jusqu'à aujourd'hui, elle n'abritait que les prisonniers politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prisonnier politique? Moi, je n'ai jamais parlé d'argent. La seule chose que je t'ai dite, c'est que je pourrais peut-être te faire rentrer là-dedans, c'est tout. Mais enfin, t'as rien compris, cette banque, c'était ma chair, mon sang, ma vie. Ta vie? Mais ta vie, ça va être autre chose. Tu as libéré aujourd'hui 380 patriotes avec une audace, un dévouement et un courage sans égal. Eh oui. Aujourd'hui, tu es devenu un grand héros de la Révolution. Viva Miranda! J'en ai rien à foutre d'être un héros à la con, c'est l'argent qui m'intéresse, moi. Viva Miranda! Tu sais, Johnny, je crois que t'avais raison. Pourquoi? Quand on l'a dans le cul, ça fait mal! Pays, tu t'assieds dessus. C'est pas mon pays. Tu sais qui c'est mon pays? C'est moi et ma famille. Ouais, d'accord, mais ton pays, c'est aussi Huerta. Les propriétaires terriens et le gouverneur. Gunther Eza et ses sauterelles. Tu sais, la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate. C'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde. Je sais très bien comment se passe ces putains de révolutions, j'ai grandi. Non. Ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres. Et disent ici, ils font du changement, et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres pauvres? Ils sont morts! C'est ça, ta révolution! Qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre con? Rien, tout recommence, comme avant. Thank you.
el último jalón. Ça ne m'enchante pas non plus. Mais Gunther Reza est à moins de 30 km d'ici. D'un instant à l'autre, nous le verrons là, sur ce pont. Il va faire ratisser tout le secteur dans ses patrouilles. Alors la décision a été que vous vous repliez et vous cachiez dans les grottes de San Isidro. Ah, c'est une brillante décision. Nous ici, dans la poussière et dans la merde. Et vous, vous serez bien au chaud en train de bouffer, de roupiller, en poursuivant vos rêves de gloire. Tout le monde ne peut pas se battre. Il faut quelqu'un pour organiser, coordonner. Oui. Oh, ne faites pas attention. C'est seulement une idée à moi. Toute personnelle. Je suis désolé pour vos décisions, mais je reste. Révolution, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Mais quand un gars en a marre d'aller et de venir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Alors moi, je m'arrête ici et j'attends Gunther Reza. Pourquoi? Je ne sais pas, mais... peut-être parce que je suis buté, ou alors tout simplement parce que... parce que j'ai terriblement mal aux pieds. Mais ce qui reste, ben moi je reste aussi, parce qu'avec mes pieds plats, j'irai pas très loin. En blesse, Irlandais et moi, on a décidé de nous payer à nous deux un bon paquet de ces foutues sauterelles. Attendez! Allez vous cacher dans les grottes et attendez-moi. Si jamais les choses tournent mal, que chacun sauve sa peau comme il pourra, et à la grâce de Dieu. Compris, les gars? Rendez-vous les fesses, allez! Ne revenez pas. Tournez-vous vers le Père éternel et demandez-lui de prendre soin de vous comme s'il était moi. Sérieusement, c'est pas vrai, ton oubli, t'as déglingué la cervelle. Rappelle-toi, John et Juan, l'Amérique, les millions. Non? Non. Mais enfin, je te comprends pas, moi je croyais que c'était un prétexte pour nous barrer en douce. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les deux contre une nuée de sauterelles? Tu n'as qu'à foutre le camp, tu me rendras un sacré service. Il faut que je choisisse entre le métier de voleur et celui de révolutionnaire. Crois-moi, je choisirai le métier que je connais le mieux. Maintenant, disparais et que je te revois jamais plus. Ok. Ok. Non. Non, 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 non. Ça te ferait plaisir, hein? Eh ben, écoute, écoute bien. Ooh.
t'es la seule personne sur Terre avec des roupettes assez grosses pour rester à leur attention, hein. J'en ai deux bien plus belles que les tiennes, et je reste ici. Aucun danger pour l'instant, tu surveilles de loin. Du pas. Même avec les jumelles à l'envers, je trouve que ce pont est encore trop près. Pourquoi est-ce que je me casse le cul avec la révolution? Dis donc, Père éternel, t'aurais pas pu me couper la langue, hein? Avant de me laisser dire, je reste ici. Oh. Et lui, là, hein, il se balade. Ça, c'est de sa faute. Un vrai voyageur de commerce, seulement lui, il voyage pas, il reste là. Hein? Là, regarde-le. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Pas vu qu'il s'amuse à faire péter ses petits bantons. Moi, ça m'amuse pas du tout. Oh non. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, ça y est, il a plus qu'à roubir. Ah, oh, bravo. Oh. Tu veux que je te dise? Dors. Dors. Et moi, pendant que j'en pis, je me taille, adios. Repose-toi bien, fais de beaux rêves. Thank you.
Thank you.
ça qu'ils veulent, ils nous attendent dehors. Muevas que te quiebro. Capitán, ya lo agarramos. Échelo al camión este cabrón y no lo toques. Si llegue vivo. Mets ton corps dans le camion. Et veille à ce qu'il arrive au campement vivant. Thank you.
¿Tienes algo que pedir?
posición de tiro. Preparen armas. ¡Apunten! Escort. Como tú, llevas fusilo por la espalda. Pelotón, preparen. Armas. Apunten. Fuego. Pelotón, en su lugar. Descanso.
les riches, tu chantes, hein? Ah, oh, sacré roi. Allez, t'en fais pas. Bientôt, ce putain de pays ne sera plus qu'un souvenir. Si ce train se décide à démarrer, avant ce soir, on sera à la frontière. Et de l'autre côté, c'est l'Amérique. L'Amérique. L'Amérique, Juan. Oh, nom de Dieu, mais si c'est vraiment aussi grand qu'on le dit. Avec toutes ces banques bourrées d'or et de rêves, hein? Tu disais, Juan? John. Hein? Non. Johnny et Johnny. Je fais le trou. Et toi, tu entres. 50-50, d'accord? Ils manœuvrent. Ils viennent juste d'embarquer leur dernier chargement de merde. Oh!
toi de là, laisse-moi passer. Dites-moi ce que vous voulez. Salaud. Laissez-moi passer. On n'arrivera jamais en Amérique. Peut-être pas le train, mais nous, on y arrivera. Hey. Bah, où c'est l'Amérique? J'ai
J'ai pas l'impression que ce soit par ici. Je dirais que c'est par là. Eh ben, allons-y. Même Pancho Villa a entendu parler de toi. L'autre soir, il m'a dit, j'aimerais le rencontrer, ce fameux Miranda. Tu vois? C'est comme je te le dis. Le chef de la junte révolutionnaire nous a raconté ce que tu as fait. Tout ce qui a été dit, il a été avec des mots, mais ce n'est pas assez. Les mots, croyez-moi, ne suffisent pas pour décrire tout ce que Juan a fait et souffert pour la cour. Ah, docteur! Mais vous tiens, mais vous fourrez, hein? Voilà, c'est lui qui peut discuter avec Pancho Villa. Hey. Yeah. Docteur. On l'a bien cru, vous avez. Mexicaine, un héros comme Pancho Villa. Je peux te dire une chose. Quoi? À te faire enculer. Allez. Un militaire avec plus de 1000 soldats et de l'artillerie lourde va nous tomber dessus par l'unique voie de chemin de fer. Et les forces de Villa, où sont-elles? Elles ont rencontré une certaine résistance dans la Sierra. Il faudra qu'on puisse tenir au moins 24 heures. Où diable sommes-nous? À peu près ici. Ici? Un vrai désert. Il n'y a rien pour servir de défense naturelle à 100 km. Et ce putain de train, il sera là quand? Dans 3 heures. 3 heures. Ouais. Voilà, il n'y a qu'une solution, il faut les arrêter ici. Il suffit de déboulonner 3 ou 4 mètres de rail. Mais ça servirait à rien. Ils nous écraseront quand même. Ouais. Il y a manière et manière d'arrêter un train. Combien de dynamite avez-vous? 50 kilos. Vous croyez que ça vous suffira? Ah oui, je m'arrangerai pour que ça suffise. J'aurais aussi besoin de la locomotive et d'un homme. Oui, 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 je suis ton homme. Ok. Un homme plein de courage, brave, et qui soit dévoué à la course. Bon, écoute, laisse tomber toutes ces conneries et dis-moi ce que j'ai à faire. Un homme comme le docteur Villega. Oui, c'est un honneur pour moi. Ah, je n'en doute pas, docteur. D'autant plus qu'une de nos vieilles connaissances se trouve justement dans ce train. Le colonel Gunther Reza.
Allez, dépêche-toi, envoie ton charbon. Saloperie, pas moyen de faire monter la pression. Alors, qu'est-ce que tu fous? Remue-toi, vie des gars. Allez, finissons-en, Mallory. On t'a tout raconté, n'est-ce pas? On t'a raconté ou alors tu as deviné? Oh, c'est encore plus simple, vie des gars. Je t'ai vu. Cette nuit-là, dans le camion. Je comprends. Alors tu m'as jugé et tu m'as condamné, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu m'as entraîné avec toi. Pour me tuer. Juger, c'est facile. Est-ce que tu as jamais été torturé? Tu es sûr que tu n'aurais pas parlé, toi? Moi, j'en étais sûr. Et pourtant, je parlais. Oui, les hommes sont morts. Qu'est-ce que je dois faire? Me suicider? Pourquoi? Ceux qui sont morts restent morts. Mais mes idées n'ont pas changé. Je continue à croire aux mêmes choses. J'ai toujours le même idéal. Et je sais que je peux être encore utile à... Et quoi, vie des gars? Ferme ta grande gueule, mon Dieu. À utiliser la dynamite. C'était l'époque où je croyais, moi aussi, en beaucoup de choses, en tout. Et j'ai fini par ne plus croire qu'en la dynamite. Non, je ne te juge pas, vieille. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie. Allez, reprends ta peine. Thank you.
la fin du voyage. Et maintenant, ferme les yeux et saute. Je sauve ta peau, saute! Thank you.
Putain, enfin maintenant, moi, avec l'Amérique à côté, tu peux pas me faire ça. Ah, tu sais, je me suis habitué à toi. Et si tu me laisses tomber, qu'est-ce que je vais faire, hein? On te fera général. Oh, j'en ai rien à foutre, moi, d'être général. Allez, parle. Vas-y. Dis-moi quelque chose. Parle. Parle-moi de Viega. Parle-moi de Viega. T'es vraiment foutu dans la merde. Je vais aller chercher de l'aide.
Thank you.
chanson, chanson, chanson.